Salut, c'est Tiffany et Marion. On a 17 ans, moi lycéenne au lycée Charles Péguy. Et moi, Jonzé. Bonjour, alors ce soir on est au bureau pour faire leur l'année de la semaine. On est en compagnie de Tiffany et Marion. Donc bonsoir les filles. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos activités culturelles sur Orléans et l'agglomération? Cinéma, bar, boîte, resto. Puis bah voilà. Vous aimez bien aller au resto? Ouais. Vous allez dans quel resto en général? Au bureau, la petite folie. Le Don Camillo. Ouais. Après, il y a des bars qui font un peu, qui proposent des petits trucs sympas. Ah, alors des fois, le petit Barcelone. Ouais. Okay. Est-ce que vous avez un coup de cœur sur Orléans, quelque chose que vous êtes allé voir il y a pas longtemps, que vous voulez partager? Oui, le week-end dernier, il y avait au Gardels la Week in New York, ouais. Avec des DJ assez sympas, électro. Et l'ambiance était sympa. D'accord, donc vous aimez bien danser en général quand vous sortez? Ouais, c'est ça. Les soirées organisées, c'est des soirées organisées pour les étudiants en général et c'est assez sympa. Ok, donc c'est la personne qui ne boit pas qui conduit tout le temps, vous êtes sérieux? Oui, au pire. Il y a monsieur Tram aussi, ou taxi, ouais, il est pas mal. Vous avez un bon tuyau à faire partager à nos fonds keynote? Oui. Alors, allez voir un concert de Elf et les Dindons. C'est un groupe génial et voilà. Ils en voient pas mal. C'est vraiment sympa à voir, il y a une bonne ambiance. Et les concerts à l'Astrolabe. Oui, et utiliser les chèques Clark. Alors racontez-nous, qu'est-ce que c'est? Alors on va sur clark.fr, on tape son nom, son prénom, son lycée, etc. Et après on va récupérer au lycée un chéquier. En fait ça fait 50€ de réduction. Et ça permet d'acheter des livres, de faire des sorties culturelles, théâtre, cinéma et l'astrolabe. Voilà. Tout ça. Donc ouais, génial pour faire des économies quand on est étudiant. Voilà, c'est ça. D'accord. Bah, je vous remercie les filles, merci beaucoup pour votre participation. Au revoir. Au revoir.